prêtez bien l'attention pour écouter cette vidéo parce qu'il y a certaines personnes qui sont tombées dans des difficultés à cause de du népotisme, du favoritisme. Voilà, parce qu'ils veulent facilement bénéficier des prix de certains aliments très très moins chers. Et lorsque ils achètent des aliments très très moins chers, après ça n'est que des préjudices. C'est pourquoi je vous dis, dans l'élevage, on ne triche pas. Soit c'est le prix, soit c'est pas ça. Suivez mon regard. Ce dont je suis en train de parler, par exemple, ils vont tomber dans le piège. Pourquoi? Parce que en voulant acheter les aliments moins chers, ils vont arriver à ne pas vendre les poulets au moment où ils veulent. Soit ils vont vendre les poulets à moins de 2000 francs. Et si vous achetez l'aliment à moins de 2000 francs, dites-vous que vous êtes tombé. Ok, je vous affirme que pour un total de 1000 poulets de chair, demain, tous ceux qui veulent suivre ce qui va se passer entre le 1er novembre jusqu'au 1er janvier, allez, vous attendez, vous mettez les notifications parce qu'il va y avoir une démonstration au tableau où je vais vous démontrer. Attendez-vous à une dépense de 1 800 et quelques, disons, voire 1 900 000 francs pour élever des poulets de 1000 têtes. Alors, si vous déboursez 1 900 000 francs pour que les poulets soient en bonne santé et fiers de les vendre, alors vous ne pouvez pas les vendre au-delà de 2000 francs. Si vous ne pouvez pas vendre ces poulets au-delà de 2000 francs, et que vous prenez un nombre qui est en dessous de 1000, ça veut dire, on va mettre un intervalle de, non, une marge de 3% de mortalité. Donc, on va enlever 30 morts dedans. Par exemple, 30 morts et 20 handicapés qui ne seront pas à mesure d'être vendus sur le champ. Par exemple, si vous vendez 1500 poulets à 2000 francs, ça, non, 950 poulets à 2000 francs, ça va vous revenir à combien? Imaginez. Si vous vendez 950 poulets à 2000 francs, ça va vous revenir à 1 900 000 francs. Donc, les 1 900 000 francs que vous avez dépensés pour faire la ferme de 900, non, pour faire la ferme de 1000 poulets de chair, ce sont les mêmes 1 900 000 francs qui vont sortir. D'autres peuvent ne pas toucher ce montant parce que je vous jure que ceux qui vont venir prendre les poulets ne vont pas les payer comme vous le voudrez. Ils vont pas les prendre au prix normal. Ça veut dire, il y en a qui seront petits, il y en a qui seront gros. Donc, vous seriez sur la bande de la chute totale. Mais d'autres vont le faire parce qu'ils cherchent le nom. Ils cherchent le nom. Ils sont en train de paraître dans l'élevage, mais ce ne sont pas des éleveurs. Ils paraissent dans l'élevage. Je dis bien, ils paraissent dans l'élevage. Donc, pour moi, la meilleure des solutions, c'est de prendre une formation en alimentation où vous pouvez dépenser moins cher et avoir des aliments de qualité où vous-même, vous allez fabriquer vos propres aliments qui vous seront très moins chers. Allez, c'est parti, appelez.